Alors cette veste, elle donne un sentiment de robustesse. Bon, faut quand même faire gaffe, mais faut la mettre en dernière couche. Là, au niveau du windstop, il y a rien à. Enfin, je veux dire, ça va bien, quoi. Et alors, ce qui est super, c'est là il est froid l'air. Hein. Là, pour se réchauffer les mains, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Sinon, ça monte pas trop quand on lève les mains. Et il y a une bonne densité thermique. Voilà, la capuche protège pas trop le bas, mais on peut mettre un casque. À mon avis, on peut faire des trucs avec, mais dans des températures à partir de 0 degré et négatif, parce que sinon on explose de chaleur. Voilà, les tests hivernales en hiver de cette doudoune, donc qui a un système de cloison sans couture, hein, c'est thermocollé, donc ça limite quand même les ponts thermiques. Voilà, ici une poche intérieure. Alors on voit que la capuche déjà, bon, est pas super protectrice, il n'y a pas de réglage ici quand on est en action. Voilà, c'est quelque chose qu'on met facilement, qu'on enlève facilement. Voilà. Ici, il y a un bon serrage, un zip de bonne qualité, et à l'intérieur, il y a deux poches qui sont très larges. Hein. Voilà. Bon, alors au niveau de cette nuit, on a dormi dans un petit refuge en Italie, bon, qui est une véritable petite glacière, là, dans un cirque. Alors, je dois dire que j'ai pas pris de duvet là, pour passer la nuit. Je pensais utiliser que la doudoune. Alors, ça a moyennement marché parce que je devais être un peu fatigué, puis c'est la première de la saison. Et j'ai eu vraiment froid aux pieds, j'ai eu vraiment du mal à me réchauffer. Donc la doudoune a pas surgénéré de la chaleur, ce qui m'aurait permis de revenir là-dessus, quoi. Voilà. Néanmoins, c'est quand même un duvet au grammage conséquent, et puis qui a une densité, une opacité, on le sent, et qui joue quand même un rôle thermique assez important. C'est pas quand même au niveau des grosses doudounes. Voilà. Mais c'est un vêtement intermédiaire qui, lui, à mon avis, a un grand intérêt. C'est d'être résistant. Pas aussi fragile que les grosses doudounes en duvet qui ont peut-être pas ces traitements. Donc on peut l'utiliser en dernière couche pour des activités d'escalade, pour des activités de rando, etc. Il a un bon windstop aussi. Voilà, donc c'est ça à mon avis qui fait l'intérêt de ce vêtement, quoi.